Bonsoir. Eh bien, selon le quotidien anglais The Times, c'est un lot de viande avariée en provenance d'Extrême-Orient qui est à l'origine de tous ces problèmes de fièvre afteuse triste en direct. Bonsoir. La viande qui serait entrée illégalement, en plus. Ouais, puis ils disent que c'est ça qui a provoqué le... C'est ça, oui. Voyons. Oui, oui, c'est bon. Le frère de Claude Barzotti, là. L'épizotti. L'épi, c'est ça. Mais là, les viandes traversent les frontières, on n'a pas le contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, pour l'instant, là, tu te mets les pieds dans l'eau de Javel à l'aéroport, là. Ouais, ils font ça. Mais là, c'est pas à la porte, ça, l'aéroport, là. Hein? Moi, je me suis acheté une bouteille d'eau de Javel, j'ai fait ça dans la cuisine. Je veux dire, si les animaux traversent les frontières à l'insu. Ben, en parlant de ça. Oui. On appelle ça un cochon qui passe les douanes? Non. Un passeport. Allô? Ce que je veux dire, Tristan, c'est comment on va faire pour éviter que cette viande-là arrive dans notre assiette? Ah, oh, ben là, je sais pas. Là. Ben, t'as juste tossé ton assiette. Bon, ben, c'est ben, t'as laissé dans l'armoire. Merci, Tristan. Attends, j'en ai une autre. C'est tout le dit.